Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit « J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira « Tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. » Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté, pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Je ferai mon possible pour assister aux offices de ces jours saints et pour être plus près de Jésus dans sa passion. Je regarderai souvent mon crucifix, surtout quand je souffrirai ou que j'aurai de la peine, et je dirai à Jésus « Ô Jésus, c'est pour votre amour !» En pensant à Jésus qui a souffert pour moi, je dirai souvent dans ma journée « Jésus, miséricorde !» Jésus,
Je vous offre mon cœur pour vous consoler.